Salut à tous, c'est Macognan Minou. On se retrouve pour un nouvel épisode sur KOTOR. Dans le dernier épisode, on avait on était retourné à notre planque avec Bastila. On avait cherché un plan pour essayer de quitter Taris. On s'était dit d'aller à la cantina pour rencontrer des gens. Et dans cette cantina, on a découvert Kanderous Ordo, le Mandalorien, qui nous a proposé de s'allier à nous, d'aller voler en fait le vaisseau personnel de Davik, voilà, qui lui doit du pognon. Lui, il veut se venger. Et pour ça, il faut qu'on pénètre dans la base Sith. Et pour pénétrer dans la base Sith, dont l'entrée est fermée et sécurisée par un code, il nous faut cet astromécano qui apparemment possède le code. Voilà. Désirez-vous voir ce que j'ai en stock? Kanderous m'a dit... Fallait le dire, le droïde est prêt, vous pouvez l'emporter pour 2000 crédits. Waouh, 2000 crédits, c'est haut quand même, hein. Il est à vous, mais je vous préviens, la prochaine fois que David voudra sur mesure, qu'il ne compte pas sur moi. Voilà. Du coup, on va le garder, lui, avec Bastila. Parce que mission, on s'en fout un peu. J'ai gagné des poids du côté obscur, c'est super. On va faire du gain automatique parce qu'on s'en bat les couilles du droïde, je l'utiliserai quasiment jamais. Et il est rigolo. Il a pas la classe, il a pas le swag de R2-D2, mais il est quand même vachement classe. I'm here. Je vais reprendre Bastila parce que j'aime marcher avec mon sabre laser. C'est l'ascenseur. Il faut qu'on aille à la base site. Je me souviens plus exactement où est cette base site. Vers la base site, ok. Et ben on va aller là-bas tout simplement. La base militaire. Verrouillée. Mais on a le tout petit coco. Vous ne pouvez entrer ici, c'est une zone interdite. Vous feriez mieux de me dire ce que vous voulez ou je vais donner la carte. Alors, je crois que les persuasions ne vont pas marcher, mais on va quand même essayer. Dites-moi ce que vous voulez et je déclenche l'alarme. Ou je déclenche l'alarme. Sacon crédit, c'est pas cher. Les sites ont fait de mon existence un enfer depuis qu'ils sont emparés de cette base. Il est temps que quelqu'un s'oppose à ces sites. Faites-moi une faveur et attendez que je sois sorti avant de commencer. Et bah ok, c'est parti. Sympa la meuf, 50 crédits c'est pas cher. On n'a pas beaucoup de programmes d'intrusion, mais on va quand même essayer de les utiliser. Ok, donc il y a quand même du peuple. Bon, si on peut un peu nettoyer, ça peut quand même nous rendre service. Oh, il y en a de la caméra là. Ouh, j'ai pas assez. On va déjà ouvrir l'ascenseur, mais ça aurait été quand même cool désactiver le droïde. Après, Bastila, elle a quand même son pouvoir. Elle a quand même son pouvoir de d'étourdissement de droïde. Ça devrait quand même jouer. On reprend Bastila qui est là. Bastila, elle est là. Et on y va. Ok. Vous voyez, là, elle a ses pouvoirs. Elle a une poussée de force. Le lancer de sable qui est vachement bien animé. Toi, j'ai pas regardé ce que t'avais en matos, mais tu vas envoyer une grenade. Il a des rayons, je crois qu'il y a des lance-flammes, des lasers glace, hein, c'est pour parler un petit peu Pokémon. Après, tu vas attaquer comme ça, et moi, je vais bourriner l'officier flétrien. Le technicien est en premier, il a pas l'air. C'est con.
Ok, et rien ramassé. Putain, c'est vraiment des râpes ici. Ok, un bloc de données. Est-ce qu'on va voir ce que c'est ce bloc de données? A servi à l'enregistrement, enregistrer les travaux effectués. L'entrée suivante est particulièrement intéressante. Le câble d'alimentation que nous avons installé dans l'ascenseur semble régler le problème que connaissait le bouclier du droïde. Il faudra finir de le régler. Ouais, enfin bref. Ok. On s'en bat les steaks. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de porte. On se demande un peu ce que faisait quand même autant de gugus dans un endroit confiné comme ça. Mais bon, ce droïde avait l'air quand même vachement costaud, quoi. Un droïde. On va essayer de... Il a presque plus de vie, lui. Qu'est-ce qu'il a? À savoir que les droïdes, ils n'ont pas besoin du pack, il leur faut des trucs de réparation. Ok, ça tombe bien, c'est que j'en avais ramassé pas mal. Pour les soins d'urgence, il n'y a pas énorme de medipack quand même. On va se taper toutes les portes une à une. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Je crois que lui, il est assez costaud pour récupérer les mines. D'accord. Yes. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai pas de programme d'intrusion. Et si j'utilise, parce que j'ai fait la bêtise, mais si c'est lui qui y va, ça prend deux fois moins, d'accord. Mais j'en ai pas de toute façon. Yes. What can I do? What can I do? Toi aussi, apprends l'anglais avec Star Wars KOTOR. Et il bouge plus. Il bouge pas. Après, il faut savoir que les pouvoirs ne sont pas hyper développés, on est au tout début du jeu. C'est vraiment après que ça devient costaud, au fur et à mesure des niveaux, on a vraiment des pouvoirs supra badass. Oula, il dit toujours ça. Vous vous souvenez de moi? Vous m'avez prêté assistance alors que les Sith cherchaient à m'arrêter. Mais moi, je voulais pas aussi. J'imagine que tous les Duros se ressemblent. Les Duros, c'est la race dégueulasse à laquelle il appartient. De toute façon, vous vous rappelez de moi ou non, c'est sans importance. J'ai encore une fois besoin de votre aide. Les Sith ont décidé de m'exécuter pour avoir fait disparaître le cadavre de l'un de leurs. De l'un des leurs, ok. Ne me laissez pas, il vous suffit d'éteindre tous les interrupteurs pour me libérer, mais j'ai pas envie. Ah non, la gratitude c'est pas assez là. Et j'ai même pas de points obscurs. Ouais. J'ai pas envie de gagner des points obscurs aussi. Y a pas moyen juste de le faire crever? Bah voilà. Si pour les libérer il faut tous les mettre rouges, il suffisait de tous les mettre verts. Ah,
Je vais prendre Bastila puisque dans les premières attaques, elle peut quand même renvoyer des tirs de blaster que moi je ne peux pas faire, je me les prends en pleine face. Je n'ai même pas un cheveu pour me protéger. Stimulant de combat, d'accord. Est-ce qu'il y a de quoi ramasser? Même pas. Il y a un petit casier. Passe de la base de site. Ah, ok. Merde, qu'est-ce qui se passe? Elle est niveau combien, elle? Parce que le sort de soin, le pouvoir de soin serait quand même utile. Elle est niveau 6, donc au prochain. Ah, ça y est. Je pense qu'on va avoir mal aux fesses. Je vais quand même sauvegarder, je vais me faire un nouvel emplacement. On sait jamais. On a quoi? Je crois qu'on avait des grenades à ions qui marchent, mais on va pas le faire par elle. Elle, on va spammer le l'étourdissement en espérant que ça marche. Pour ce qui est de lui, on va balancer le ion. Yes. Et puis toi, bah gros, j'ai envie de dire aussi, tiens. Il tape fort, le bâtard. Oh mon Dieu. Je sais pas ce que c'est, mais on va l'essayer. Yeah. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'étourdissant, ça sert à rien. Ouais, c'est une plasma. On a même pas de... Ah là là, on n'est pas riche, hein. On n'est pas riche. Oh, il y en a un destructeur de bouclier. Ok, bon. Elle, on va la soigner à mort. Et lui, eh ben, on va continuer d'attaquer. Bon, visiblement, c'est la grenade de Sonic qui fait le plus de dégâts. J'avais oublié ça. Maintenant, on a encore les tourelles. Lui, je vais le soigner. Elle, je vais attendre qu'elle ait un peu moins de vie pour lancer son niveau. Va la soigner. On va essayer une Sonic aussi. Ah là là, c'est dur la vie. Hein. On s'en est pas trop mal sorti. Bon voilà, je saurai, les Sonic sont quand même... sont quand même vachement plus efficaces. Bon, on a buté le droïde, le gros droïde méchant caca qui était qui me faisait un peu peur. C'est déjà pas mal. On va essayer d'avancer. On a eu le pass site, donc voilà. Dans le prochain épisode, on devrait quand même bien avancer dans la base des sites. Allez, à la prochaine. Bye bye.